dernières lueurs d'espoir se sont évanouies, et la terreur a submergé le monde. Alors que la terre de la liberté ploie sous les ennemis, trois héros se dressent contre l'injustice pour faire renaître le rêve américain. Voici The Freedom Chronicles. De l'imagination du grand auteur et membre du cercle de Kryso, Curtis Everton, nous parvient The Freedom Chronicles. Trois histoires d'action et d'aventure durant la lutte contre l'occupation nazie en Amérique. Une trilogie comptant les exploits de la résistance qui mèneront à la chute du régime nazi dans le monde entier. Récupérez-les aujourd'hui. Propagande terroriste! Bannissez-les tous! Et bonsoir à toutes et à tous, c'est un 65 et on se retrouve pour le stream de la violence sur Wolfenstein de The New Colossus. Et sur bien sûr le DLC The Freedom Chronicles, hein, il nous reste la chronique de Captain Wilkins pour finir, puisqu'on avait déjà commencé un peu le volume 1, on n'avait pas fini, hein. Il nous reste lui, sinon après on a déjà fait Agent Silent Death et Gunslinger Joe, voilà. Et salut Mangazor, comment vas-tu? Eh ben on est reparti, alors Soleil Noir, ça me fait penser à un épisode de Tintin ça. Ah, la base nazi de Kodiak sont importantes, je pense que je pourrais en apprendre plus sur ce Soleil Noir. Et du coup, pourquoi le volume 2 s'appelle Kodiak si on y est déjà? Ah non, c'est échappé de la base navale, d'accord. Ok, ok. C'est donc ça. C'est donc ça, c'est bien sûr. Allez hop, c'est parti. Oui, hein, je rappelle, Captain Wilkins, lui, il a le mécapode, c'est-à-dire les jambes en fait qui s'extensent, qu'avait Blasco. Ah, écoute, ça va très bien. Alors, où qu'on en était? C'est qu'on devait voler un camion, ok, qui est là-bas. D'accord. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ok, c'est vrai que lui, du coup, il a l'avantage de d'avoir la santé qui ne descend pas quand elle est surchargée, contrairement aux deux autres, ce qu'on avait débloqué aussi avec Blasco. Ok, ça on en a. On est chargé à fond ou quoi? Pas vraiment. Ouais, c'est bon. On a fait le tour. Alors, si tout est fermé, on va prendre le mégapod, hein, si on a besoin d'aller en hauteur. Voilà. J'imagine qu'il va y avoir un moyen de passer. Ouais, c'est où c'est toi par là? On trompe peut-être. Ah, qu'est-ce que je disais, on a moyen. On va aller voir par là quand même si j'y suis. Et j'y suis. Vide. En plus, il y avait un truc. Un bon kaboum, ça, tous ces barils alignés. Une caisse. Non. Oui. Et ça au cas où. Ok. Et où celui qui parle là? Ah,
der General, hätte ich dich sofort nach Ohio versetzen lassen. Oh Mann, ich will nicht nach Ohio. Keiner will dahin. Ist es wieder? Laden wir die Laster und fahren nach Kodiak. On est ici. Ouh là, il y en a. Eh, sale chien. Et je parle même pas du nazi. Voilà. Et bien que tu pètes à un moment donné quand même. Bonjour. Y'a quelqu'un? Ah oui, y'a quelqu'un. Encore? Eh ben, mais c'est qu'il y en a des gens là. Bon, il me faut de la vie un peu, quand même. Pas vu tout à l'heure qu'ils étaient sur le la plateforme comme un con. Ah. Vivi, je prends la vie. Prends l'armure. Oh. Pourquoi tu m'as pris par le flanc? Voilà. Moi, je t'ai pris par devant. C'est mieux, hein. On l'a eu. Dans le doute. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du mal. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais aller voir ça de suite parce que j'ai dû oublier hier, remettre à zéro le compteur des morts. Je vais faire ça de suite. Parce qu'on n'est pas encore mort, mais ça va arriver. Alors, le compteur, oui, c'est ça, j'ai oublié de t'en mettre à zéro. Voilà, c'est fait. C'est bon, vas-y, c'est fait. Bon. Oh, sérieux, c'est pas. Ah, c'est bon, j'ai eu. Faire comme ça aussi. Hein. Bonjour. Ah, il y avait des munitions comme pistolet. C'est pas ça que je voulais. C'est tentant, mais non. Alors, pourquoi j'ai deux objectifs? J'imagine que je peux pas l'atteindre d'ici. Ah, peut-être par là. Oh, ça m'étonnerait. Peut-être par là-haut, mais ça serait étonnant quand même. C'est sûr, j'avais bien que ça, ça serait étonnant. Je suis sur des échasses. Ah, plus. Ah non, ça peut être pas ça.
C'est quand même mieux quand on est à Raptor parce qu'on se déplace quand même beaucoup plus vite hein, qu'avec les grandes échasses. Il y a un joli petit truc là. Là il fait tout noir. Du coup, est-ce que j'ai... Non, c'est bon. Je regarde quand même s'il n'y a pas des trucs planqués. Ça, c'est bizarre la couleur que ça a, ça. Bon, bah, il n'y a rien de planqué, allez. Continuons. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un nazi planqué ici. Il y avait quelques nazis de moins sur le sol américain. Les autres étaient en route pour les îles Kodiak. Et je comptais bien m'inviter. Ok, île Kodiak, on va s'inviter. Cool. Île Kodiak, ça me fait penser à Kodak, mais c'est pas du tout la même chose. Non, il a l'air de rien avoir. Parfait. Hein, quittons le niveau. Ma première mission de retour en Amérique était un succès. La base était nettoyée. Du moins, je le croyais. Les mains en l'air, maintenant! J'avais été négligent. Et on me prit par surprise. J'étais en train de compter combien je pourrais en abattre avant de mourir. Quand un miracle se produisit. Dernier avertissement! Tous les nazis furent foudroyés. Ah oui, une balle. Salut Jerry. On dirait que t'as bien reçu ma lettre. Oh, enfoiré. À ma stupéfaction, se tenait devant moi Clive Cross, mon second, et une femme que je n'avais encore jamais vue. Je savais que je reverrais ta sale tête un jour. Ah, Julie, j'y vais. Ça fait un bail, Jerry. J'ai un truc à te demander. Tu as déjà entendu parler du canon soleil? Alors, retournons en Amérique. On a débrouillé du coup le volume 2. Île Kodiak. Bah oui, grâce à Sauvegarde Tour, on s'en fout. Clive était avec moi depuis le début. On avait rassemblé tous les soldats désaxés qu'on pouvait. Et le gars à gauche de Captain Wilkins, il a l'air super content. Merci, mon gazon. Et salut, Soveka, comment vas-tu? Je vous fais le topo. C'est cette jeune fille qui a réussi à retrouver notre trace à tous les deux. Elle s'appelle Ginny Williams. Ginny Williams. Ravi de vous rencontrer, capitaine. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je le sens pas. Mais comment est-ce que vous nous avez trouvés? Pas le temps pour ça. On a une mission. On ne sait pas grand-chose tranquillement, sur ce canon soleil. Sinon que c'est du lourd. Genre d'Herbstreifer, puissance 1000. Le général Schwartz a organisé une fête à bord de son U-boat privé. Il compte l'utiliser pour la première fois. N'en dites pas. Il y avait un U-boat privé et ben. Créé par des nazis, opéré par des nazis et bientôt recouverte de cadavres nazis. Ouais, ça j'aime bien ça. Bonjour. Tu viens d'où toi comme ça? Ouais, arrête de rigoler. Quoi, il a rigolé? C'est pas ma faute. Ça va, j'ai pas mal d'armes. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Non, garde le pistolet, garde le pistolet. Ah, et celle-là, au cas où. Ah, il y en a un là-haut. Bonjour, au revoir. Bah oui, poli, je dis bonjour. Oui, je sais comment elle marche, les camps, machin truc. Ça me dit quelque chose. Je crois que c'était là où on avait fait le prologue. Si je dis pas de bêtises.
Là, ça me dit quelque chose. On inspecte après, récupère de la vie aussi bien tant qu'on tire pas dessus. Tu la perds pas, ça c'est bien. Ça, c'est quand même l'un des pouvoirs de Blasco les plus appréciables, quoi. Note du hibou. Hibou ? Suivez les ordres. L'autre côté du hibou. Cible en approche, suivez le plan. Tout écart causerait un nombre écrasant de victimes. Ne pas affronter la cible. Matez en traite si vous rencontrez la cible. Attirez la cible dans une zone dans la zone désignée. L'échec de cette procédure causerait des pertes immenses à notre personnel ainsi qu'à nos installations. Suivez le plan. D'accord. Ah, mais je pensais que c'était ça. D'accord, c'est pas ça. Ok. C'est moche. Le plan, c'est de me laisser des armes disséminées partout, c'est ça? C'est sympa. Il tire la tête. Il fait dodo. Aïe! Ah, c'est chien-chien ça! Non? C'est pas le chien-chien? J'imagine que vous êtes arrivé à la station. Armé, paré, à tuer du nazi. Vous parlez d'autre chose que je suis pas là. Parfois. Cross dit qu'il est prêt. Non, je parle pas d'autre chose que de tuer. J'aurais collé au trou si j'avais parlé comme ça à un supérieur. Son père aurait dû lui apprendre les bonnes manières. Ok, j'ai eu quoi du coup? C'est quoi l'amélioration? Vas-y, montre. C'était sur le choc hammer. Chargeur augmenté, ok. Très bien. C'est parfait. Bah, elle nous considère comme des vieux aussi. Gina, Ginny. Non? Enfin, Williams, quoi. Comment elle s'appelle? Ouais. C'est moi ou tu fais l'autruche? Ou est-ce qu'on peut dire que c'est la politique de l'autruche? Une politique qui court vite. Une politique qui fait des gros œufs. C'est par là, ouais, ok. Et attends, il y a des trucs à looter un peu partout là. Ça je prends. Putain, mais il y a des trucs partout que j'ai là et que j'ai raté. C'est moi où j'ai cru voir une vie. Ah si, c'est ce que je me disais. Ah voilà, elle est là. C'est bon sur le cas, hein. J'avais oublié, mais c'est bon, j'ai remis à zéro les morts, tu pourras jouer de la commande comme tu veux. Ça m'empêche d'aller où je veux, quoi, c'est chiant. Bon après, si c'est pas grave, hein. C'est bien que, bon, j'en ai plus de ça. S'il pouvait y avoir un petit truc de flingue, ça serait pas mal pour tuer silencieusement, mais ça va être compliqué. Ouh, je crois qu'on va faire la bourrin. Hein. Celle-là aussi pour faire la bourrin. Voilà.
Et est-ce que je peux pas essayer de la rameuter vers ici? Il y a l'air d'avoir qu'une seule entrée. Ouais. Voilà. Ok. Attends. Tiens, tu joues à ça? Ah, moi aussi je peux jouer avec les grosses armes. Hein. Et pas tout seul. Où ils sont ou c'est con? Voilà. Aïe. Oh oh. Cours, cours. Pour ta vie. Foiré. Moi, c'est les deux cons que je cherche là. Ah, comme lui par exemple. C'était pas lui, mais. Ah, c'était un des cons que je cherchais. Là, c'était bien lui. On va changer d'arme. Hein. Ok, vous voulez jouer à ça? Merde, je me suis trompé de bouton. Un peu ballot ça. Merci. Par contre une bonne, on va pas aller loin avec ça. Mais par contre il faut que je trouve l'autre. Putain il court vite hein. Ah il court moins vite maintenant. Eh hey, Speedy Gonzalez. Et où le débilus? Ah, j'ai entendu tirer. Des snipes. C'est pas eux qui me tiraient. C'est pas eux que je voulais voir. Je pensais que c'était un. C'est le deuxième, mais non. Elle doit être de l'autre côté. Petit. Où tu te caches? It's Johnny. Oh, pourquoi j'adore cette réplique. mètres, ok. Il peut être très long. Ah voilà. Vous devriez être près de. C'est toi que je cherchais. Alpha. Il devrait y avoir assez de puissance de feu pour détruire un super canon. Ah ah. Il me laisse récupérer mes mines maintenant. Ok, j'ai assez de pompe-pistole. J'ai pas de truc électrique, ça fait chier. Parce que j'aimerais bien détruire ces caisses là. Il faudrait que je trouve une arme électrique.
Ah, il y en a une là, mais elle est vide. Après, il y a l'autre, je sais plus où j'ai foutu. Ça peut être en bas. Je vois qu'il y a un gros en bas. Si on charge. C'est les diesel. Diesel, ça m'intéresse pas. Oh, c'est vraiment les électriques que je veux. Alors ici, il y a une caisse. Voilà. On va éviter de bouffer toute l'énergie. Ça me coûte 2 kilowatts, ça va. Et si d'accord, c'était l'autre côté. Ça. Ah, c'est un autre pistolet, d'accord. Ok. Non, pourri ça. Bon, on a fait le tour du. Je vais dire sous-sol, mais c'est pas vraiment un sous-sol. Oh mais c'est nul. Ah voilà. Là c'est fermé. Bon ici on a plein de caisses à ouvrir. C'est par celle-là. Et celle-là. Oh yes, des grenades. On avait assez, mais quand même. Et... Voilà, j'avais pas assez de ça. Et... Voilà, on est full. Ça, c'est qu'un pistolet, on est full. On est full surtout. Venez, fais voir les armes. Ah, toi t'es bon. Toi t'es pas bon du tout. C'est pas toi que je voulais. Et... Et il me reste le compte pistol, mais il est full aussi, je crois. Ouais, il a 6 balles à l'intérieur, c'est bon. Allez, reviens voir papa. Le mec, il y a un trésor là, caché là-dessous. Ah voilà, munitions de flingue, c'est bien. Ah t'es vieux Wilkins, t'es pas non plus trop vieux, ça va, je vais pas les souffler. Ah non, c'est pas le bon. Ok. Ah
quoi ces amants là qui mettent rien dans leur conteneur, merde. Oui. Ah t'as l'air bien là toi. Je pense qu'on a fait le tour, il faudrait qu'on aille là-bas. On descend dans la zone, non? Je sais pas. Ou qu'on a eu où on a trouvé le... Ah, peut-être où on a trouvé le... Lui, là. Deuxième commandant. Parce que j'en aurais plus besoin. Et un drone? Il avait l'air mal en point. Ok, allez. Bon, du coup, hop là, j'ai pas vu cette caisse. Et celle-là non plus. Allez, go. Et celle-là, c'est bon. Allez, on aura fait les caisses. Ouh, ça sent la bagarre. Limite atteinte, ouais. Une carte, youpi. Alors, ok, il faut passer par là. Le tour, voir s'il n'y a pas un petit peu de... Voilà, de l'or. Alors, note du commandant, Schrumpf. On l'appelait Schrumpf. Alors, note du commandant Bidule à tout le personnel. Je ne saurais pas dire son nom. Le général a demandé personnellement les articles suivants pour son arrivée à la station Kodiak. 8 bouteilles de pinot noir, pas de merlot, pour le général en personne. Les autres invités se débrouilleront avec ce que nous avons. D'accord, ok. Un groupe complet de musique bavaroise traditionnelle. Le général veut avoir l'impression que nous fêtons toujours quelque chose. Si vous devez en faire venir un d'ailleurs, qu'il en soit ainsi. Hein? Et buffet complet au menu allemand traditionnel. Pas de nourriture française ou américaine. Le général n'aime pas ça. Fallait lui dire mal? C'est comme le plomb, ça se dirait pas bien ça. D'autres exigences pour la suite du séjour sont à venir. Elles doivent être remplies. Donc restez vigilants. Il y aura des conséquences en cas d'échec. Ouais, le général il fera cacamou. Pas grave. À part ça, y a rien de plus. Hein. C'est nul. Et ici, on ressort, ok. C'est pas par là, c'est par le milieu. J'ai jamais un dans le doute. Ah oui, mais il aime bien le français, ouais. Par contre, il n'aime pas le merlot. Il aime le pinot noir. Voilà. You're dead. You're dead. Je vois des morts partout. Ah oui, je me rappelle avec le canon. Je me rappelle, on va jouer du canon, c'était marrant. Alors, E viser, et là c'est pour tirer. Ah, ok. Bah, par contre, je me rappelle plus comment. Non. Non. C'était vers là. Si. Non. Ah, voilà. Attends. Tire! Tirez! Et c'est pas raté! Vous avez fini, capitaine. Ouais! Des nouvelles de Cross? Rien. Et son canon est toujours intact.
Vous devriez ouvre ailleurs. C'est con. Ah, s'ouvre ici. Je veux que les nazis regardent l'homme qui les a tués dans les yeux. Ça commence à faire trop de détails pour moi, capitaine. Allez dans sa direction et voyez s'il a besoin d'aide. Ginny, terminé. Je veux qu'il sache. Ginny, terminé. Elle me raccroche au nez. J'adore. Qu'est-ce que c'est? Il y a des fois, il nous a raccroché au nez. Ah, la subordination des jeunes de cet âge. Ah. Ah. Une balle dans la tête. Ça se digère pas bien. Ah. J'ai pas vu, toi. Oups. Putain, je pensais l'avoir eu. Voilà. Ça va mieux ? Ça va mieux. Il est barré, non ? Oh, il est là. Ah, il est plus là. Ah, électrique. Très bien. Au moins ça va, à niveau camp fiston, on n'utilise pas une seule donc. Ok, continuons. Ah. Par exemple, j'avais des munitions de flingue, moi je veux bien les prendre parce que... L'edge, ils sont plein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui utilise le flingue. À part les commandants. Ouf, faut aller par où? Pas par là. Mais lâche ça. Ça. Ah, par là-haut. C'est vrai. Ah. Il y a du monde. Et toi, t'es mort. Et toi aussi. Ça fait un de moins déjà. Entre il est où l'autre con? Oui, Wunderbar aussi. U-Boot gesunken ist oder es eine Naturkatastrophe gab, war es wahrscheinlich der Butzemann. Jetzt hör auf, und der ist hier? Wir werden also Helden sein. Pas vu là, c'est pas possible. Je suis discret. J'ai entendu plein de morues, j'ai des surprises. T'es pas là.
peu, ça va être plus compliqué quand même à tuer hein, avec ça. Cool donne en 1000. Il est où l'autre con? N'empêche, on l'aura doté d'un masque, il voyait rien, c'est glandu. Il veut être là-bas derrière. Bonjour, au revoir. Tu m'as même pas vu ce con. Et non, c'est pas où je suis. Non, c'est pas faute d'être devant toi. Je suis éloigné, donc ça veut dire qu'il est en haut. Voilà. Comme il a dit, fuck off. Je sais pas s'il a dit ça, mais c'est pas grave. Moi, je le dis. Je suis pas sûr que ce soit Twitch machin truc, mais bon. Coucou, dis bonjour aux grenades. T'avais vu, hein. Oum. Ah, électrique. Un peu comme s'il était au saumon, c'est mon préféré. Alors, grenade, je prends. Armure, bien sûr. Ça c'est quoi des munitions de pistolet? Ça je veux bien ça. Et lâche ça. Est-ce que je vais pouvoir courir? Oh oh. Oui je vais pouvoir courir. Je pensais qu'il allait courir moins loin. Ah, je l'ai lâché, je suis con. Aïe. C'est moi, il m'a frôlé l'oreille. Conducteur du dimanche. Ouais. Allez, faut que j'aille où? Bon, parce qu'on y était tout à l'heure, mais... Ah, ça va arriver. Attention. On peut un peu en cacher un autre. Ouais, c'est ça. Ça, j'aurais pu chanter. J'entends siffler le train dans l'oreille. Ah, vas-y, prends ça, prends ça. Je me pose une question, c'est est-ce que si je suis sur les échasses, est-ce que je peux passer au-dessus du train? Ah merde. Ah. C'est un peu trop haut ça. Non, c'est bon. Alors, t'es où là? La plateforme.
Allez. Une machette, ça se refuse pas. Coucou. Je t'ai vu. Je te vois plus. Ah si. Eh bien copain. Putain mais t'en as envoyé combien des copains là? C'est bon, ils sont désactivés. Ah, une amélioration, ça je veux. Pour le camp fistole, d'accord. Du coup, tu m'as donné quoi? Non, camp fistole, le ressort de rechargement, maintenant la gâchette pour tirer jusqu'à 3 grenades en rafale, d'accord. C'est moi, j'ai vu une grenade. Ah oui, j'ai une grenade. Ouais, je dois aller par où moi du coup? On s'est regardé en hauteur. Ouais, voilà. Par contre, c'est pas du tout la bonne arme. D'accord. Je pense que le monsieur a bugué. Ah. Je pense que c'est bon, monsieur ne bug plus, il fait l'autruche. C'est pas ça que je voulais, tu fais chier avec tes armes doubles. C'est pas Joe. C'est Joe qui a des armes doubles. J'entendais mais je te voyais pas. Injuste. Ok. Ah bah on a encore une salle comme ça, d'accord. Encore détruire un canon bidule. Je vais me préparer. Hein. Et tirer et... D'accord, on va utiliser ça pour tirer là-bas? Ok. Je suppose. Dommage qu'il n'y ait pas d'aide à la visée quand même. Ah, maintenir le pour respecter. Ah, ça me paraît bien. Note de l'opérateur radio. Commandante, je suis désolé de vous faire part directement, monsieur, mais je ne sais pas à qui d'autre m'adresser. Nous avons remarqué des activités radio très suspectes. Nos transmissions sont parsemées de bruits étranges depuis ces derniers mois. Nous avons modifié les fréquences et les codes, mais le bruit persiste. Quoi qu'en soit la cause, elle s'adapte plus vite que nous. Je ne connais aucun terroriste capable d'une telle prouesse, mais c'est possible. Il est également possible que le général ne soit qu'en train de tester les protocoles pour assurer que notre base soit imprenable. Je ne veux pas sonner d'alarme, mais le général arrivant bientôt, je pensais qu'il s'agissait d'un problème digne d'intérêt. Herbert. Oui, Herbert, c'est digne d'intérêt, tant vous.
mission est terminée, mon vieux. Facilite-nous la tâche et rends-toi à mes amis, tu veux ? Quoi ? Non. Ils t'ont eu ? J'arrive tout de suite. Je suis un espion, espèce d'attardé. J'ai toujours fait partie de l'Empire allemand. Quoi, ouais, c'est son pote, c'est pas son pote ? J'ai volé ses plaques sur le corps. Ah, enfoiré. Moi, je pensais que c'était Ginny, le traître. Ah bon? Il vient juste d'essayer de me tuer. Je savais pas. Il est venu me voir en disant qu'il savait où vous trouver et j'ai fait confiance à cette pourriture. Du calme. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que je peux trouver Cross? Il est dans le super canon et il va me tirer dessus. Il faut détruire ce truc. Le super canon là-bas là? Ah ouais. Je peux pas lui tirer dessus du coup. Super. Ah c'est canon. Ça doit être par là. Par là ça a l'air vide. Allez. Bon, bah on va super canoniser le type. Ah, n'empêche, il a joué un bon double jeu parce que depuis le début de la guerre, il pensait que c'était un pote à lui. Wilkins. Ah, le trahison disgrâce. Et roi Lion 2. J'aime pas le royaume 2. Ah merde, pas lu. Bon bah tant pis. Vous avez raté la lecture. Bah moi aussi du coup, mais... La flemme d'aller chercher. Il a volé la plaque... Ah j'ai pas compris ça moi, je pensais qu'il était de mèche, enfin, avec les Allemands depuis belle lurette. Qui se faisait passer pour un allié alors que c'était pas un allié. Oui, vas-y. Prends. Bah, je suis pas très fan moi de... D'ailleurs ce bruit, bah oui. C'est étrange, ce truc qui bouge tout seul. D'accord, il a pris la plaque pour faire passer pour un résistant. D'accord, bah j'avais pas compris ça. J'avais compris qu'il se faisait passer pour un résistant depuis... Ouf. Des années. J'ai pas écouté. Ça va être pour ça. Enfin, j'ai pas écouté. Si, j'ai écouté, mais... De façon diffuse. Pas comme sur certains métros. Où est le shrapnel, là, putain? Marche mieux le shrapnel. Hein. Tiens, ouf. Ouais non mais en plus alors déjà oui j'ai pas lu ça c'est sûr mais en plus ouais, j'ai pas trop écouté. Y a un autre problème ça. Bon vous êtes où les bandes de cons? Bon, tout le monde s'est barré. Ça a l'air. On va passer là. Bon allez, appuyons sur les boutons. Enfin, tirons sur le levier du coup. Oui. Oups.
Ça. Que je peux lui envoyer une V2 dans la tronche. Répondez, capitaine. Oui. Il quoi? Merde, j'arrive. Ouais, j'arrive. Oh, pour lui mettre le feu au cul à ce truc là. Ah, lui il est mort. Bon, c'est sûr ça a rameuté tout le monde, mais je m'en fous. Parce que lui au moins il est mort. Ah ouais, dirige. Ah d'accord. Ouais, oh et oh. Commence pas hein, à tirer dessus. Moi le héros de l'histoire. Ça pique. Beaucoup de santé moi. Ah. Dead. Ah, toi t'es pas dead, toi t'es dead. Merci. Ouais, non, pourri ça. Hop. Ah, le bouton il est là. Fini de looter. Et on verra après. C'est quand même fou. Ça m'aurait fait fondre la tronche. Mais par contre, ça a pas. Ne serait-ce que effleurer une caisse en bois. C'est pas juste. Note du hibou, perte évitable. Général, je suis déçu. Vos hommes ignorent mes ordres et nous avons subi des pertes lourdes ainsi que des dégâts structurels considérables. Nous ne serions pas dans cette situation si vous aviez suivi mon plan. Nous aurions pu terminer cette opération avec seulement un dixième des victimes. Je connais cet homme, j'aurais pu briser cet homme. Nos hommes se sont mêlés, nous en discuterons bientôt. Le hibou. Ah, ça doit être le traître. Bon, plus besoin de mun là, peu ça, ok. On est bon aussi. Ah, vas-y, ramasse. Ah, encore ici. Voilà, on est à 100%. Ce qu'il faut maintenant, c'est un peu de vie. Non, vous avez pas de bibi. Bon. On appuie. Pouf. Voilà, c'est ouvert. Un peu rouge aussi. Allez, hop. Allez. On est parti. Et c'est parti. Ah ça c'est pour... il va mettre l'ogive dedans, d'accord. Bah si, je t'avais vu. T'avais vu, mais tu m'as vu avant. Foiré. Oh oh. Pas plus. Encore. Faut leur tirer dans la tête, c'est. T'arrives plus à viser quand on leur tire dans la tête. Mais il s'est relevé vite lui.
Alors tirer dans les gibbles, ça sert un peu à rien. Hein. Putain, j'ai raté la tête. Et... Ah, voilà. Voilà, merci. Oui, oui, je vais. Je vais voir ce que je peux faire. Il va faire feu, mais. Je vais devoir improviser. T'es un nazi avant. Puis j'ai pris une balle dans le genou. T'as c'est dans quoi déjà? Ça me dit quelque chose. Ah! J'avais pas vu qu'il y avait un trou. Skyrim. Ah oui, je me rappelle, oui, dans Skyrim, ouais. Ah mais je pensais que ça venait d'un film, tu vois, le... J'étais nazi avant, mais j'ai pris une balle dans le genou. Genre OSS 117, avec, comment il s'appelle, là, le... Heinrich. Un riche, un postiche. Mais non, c'était pas ça. Ok, donc ici, il y a du centre de commande. Et oui, la vraie version, je me rappelle, c'est... normalement, c'est un collectible, je crois que t'as... Enfin, un collectible, tu trouves le gars dans une grotte, un truc comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Skyrim. Bon. Alors, saboter l'obus. Sabotons l'obus. Qu'est-ce que tu veux qu'on y mette dedans? Ah oui, d'accord. Ouais. C'est bien aussi. Pêche, ouais, pas trop fort quand même, il y a une amorce. C'était un peu au niveau de l'amorce quoi, bon. C'est les gardes à bord, donc alors je sais plus. Je m'en rappelle plus du tout du coup. Je vois des trucs clignotés, mais où ça? Non, bah y'a rien. Allez, chargeons l'obus. J'ai du mal à croire que tu t'en sois sorti, Jerry. T'as toujours été un dur à cuire. Je vais faire feu avec ce canon sur la fillette. Et la faire disparaître en même temps qu'une bonne partie de l'Alaska si tu ne te rends pas. Je ne me rendrai jamais. Mauvaise réponse, Jerry. Feu! Boom. Une dernière chose, Clive. Tu te souviens de Rome? Rome? Qu'est-ce que ça vient faire? Oh merde. Ça me fait plaisir que tu te souviennes. On se reverra en enfer, Clive. Non, annule! Annule ça, espèce d'idiot! Ah espèce d'idiot, c'est toi qui as dit de faire feu. Hein. T'aurais pas dû m'énerver, Kraus. Tes dernières paroles, pourriture de traître. Non, c'est pourriture de communiste, la réplique. Merde, Jerry. Tu n'as jamais lâché l'affaire, pas vrai? Pas une seule seconde. On se reverra en enfer, mon vieux. La trahison de Kraus faisait mal, mais on avait encore une mission à accomplir. Et au moins, moi je pensais que ce serait elle la traîtresse, c'est pas le pas Kraus. Le sous-marin et empêcher le lancement du Sonnengewehr. Vous êtes prêt? Vous plaisantez? Je suis toujours prêt pour tuer du nazi. Ouais. Mon Dieu, vous êtes vraiment toujours comme ça? Ouais. Vous êtes toujours de tuer et de massacrer? Ouais. Vous croyez quoi? C'est la guerre. C'est pas vrai. Maman avait raison à votre sujet. Toujours à répéter, j'ai une mission et je vais la faire et tirer partout et tuer tout le monde et toutes ces conneries. Écoutez, ah, ça fait du coup, je pense qu'il doit connaître la maman. Attendez, votre mère? Oui, espèce d'idiot, ma mère, Henrietta. Je suis votre fille, espèce de mou du bulbe. Ouais, d'accord. Oh, ma fille. Utiliser les commandes de l'île Kodiak, ça c'est fait. Ouais, mais t'as eu raison du coup. Le jeu t'a distancé, mais t'avais raison.
tous les coups, c'était ça, fini. Merci. Allez, mission finale. Oui, oui, tu peux écraser la sauvegarde auto, on s'en dans fout. Dans les années 30, j'avais été forcé de m'engager. L'entraînement était un véritable enfer. Mais, du coup, quand même, la fin me fait penser que si, si, il était engagé dans l'armée américaine à côté de lui. De Wilkins, si l'autre. De moi. On pensait se marier à la fin de mon service militaire. Mais ce jour n'est jamais venu. Je ne suis jamais rentré. Je n'ai plus jamais entendu parler de Henrietta. Vous savez ce qu'il vous reste à faire une fois là-bas. Mais... revenez. On a encore beaucoup de choses à se dire. Ouais, j'aimerais bien. Faites attention, hein. Vous serez enfermé avec la moitié de l'armée allemande là-dedans. Ah, c'est cool. Là où t'as tort, Jenny. C'est pas moi qui suis enfermé avec eux, mais eux avec moi. Mon meilleur ami était un nazi. J'ai une fille. Ce général Schwartz allait détruire un morceau de l'Amérique, et je devais l'arrêter. Et tous les nazis qui se dresseraient sur mon chemin allaient mourir. C'est peut-être un peu radical, le camp-pistole. J'apprenais que mon meilleur ami était un nazi, et que j'avais une fille dont j'ignorais tout. Je ne savais pas comment digérer tout ça. Oh, je veux ça. Voilà, donne-moi le flingue, merci. Et là, j'ai... non, c'est bon, j'ai rien, c'est parfait. Ok. Alors, on est dans notre sous-marin. Au moins, je vois personne. Ah, une carte. Ah, je me demande si c'est nager comme Blasco. Donc, j'ai pas envie d'essayer. Heureusement que j'étais dans un bateau plein de nazis prêt à se faire déchiqueter. Ouais. C'est vrai qu'on a ça aussi. Enfin ça. Une joue au lancer de hachette. Je sais. Allez, le goût du risque. Geronimo! Merde, il s'est nagé. La change de position, je connais bien, moi. Ça, ça doit faire mal, ça. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Aïe. Oh, le tendon d'Achille. Ça pique, hein. Aïe. T'as dit, il fallait prendre le goût du risque. Ah, je risque tout. Aïe, ma tête. Y'a quelqu'un, hein. Oui, j'ai dit le tendon, non. C'est ça. C'est possible. Voilà, c'est bon, y'a plus personne. Oui, c'est le talon, bien sûr. C'est juste dans le feu de l'action. Pensez tendon. Oui, je sais que je peux utiliser les camphibidules. Et pour le moment, laisse-moi looter. La sonorité était proche, ça passe. Merci. Mais Mangazor a tout à fait raison. Le talon d'Achille. Il fait quand même des sauts de cabri le type. À son âge, c'est beau. Ah, inspecté. Courrier de Clive Cross. Ah, du coup, c'est bien ça, c'était bien le hibou. Au général Wolfgang Schwartz. Peut-être qu'il avait aussi, on ne sait pas. Ouais, peut-être, hein. Alors, je peux enfin vous envoyer une foutue lettre sans m'encombrer de ce code imbuvable. C'est le vieux salopard qui m'a appris ça, vous savez. Quoi qu'il en soit, nous tenons Wilkins et sa fille, et sommes prêts à vous les livrer directement.
Nous allons devoir abîmer considérablement la cible, où elle pourrait s'échapper. J'ai dû faire bien plus avec beaucoup moins. Je suis ravi d'en avoir terminé avec cette traque vieille de 10 ans, et je suis prêt à enfin rentrer à Berlin. Je vous fais confiance pour honorer votre part du marché. Nous en discuterons dans quelques heures. Ben non, maintenant, je crois qu'il a pris une balle dans la tête. Hein. Il est encore vivant quand même après l'explosion, mais... Et on s'est chargé de... Le dé, c'est pour moi. Et on est sûr qu'il soit mort. Ouais, c'est... Oh, putain, mais quand ils me voient... C'est bizarre. Hein. Y'a rien de bizarre. C'est un type qui se bat dans les canalisations. Bizarre du tout. C'est quoi, c'est le pistolet? Oui, c'est le pistolet. En même temps, ils m'ont pas entendu. Vous êtes à l'intérieur? Mais qu'est-ce que c'est? Sors de ma tête, fantôme! C'est radio portable. Vous avez quel âge? Ce truc-là? Je croyais que c'était pour éviter d'avoir de l'eau dans les oreilles. Vous les avez mis sous l'eau? Nouvelle activité au Climed. N'importe. J'ai trouvé des plans de la base. Si vous continuez tout droit, vous allez tomber sur le gros de leur force. Parfait. Ok. J'ai justement besoin de des... Ce serait stupide. Il y a des trappes à proximité et vous pouvez les éviter. Servez-vous-en. Oh, c'est pas drôle. Comme disait Sobega tout à l'heure, le goût du risque alors. C'était complètement surréel de recevoir des ordres de ma fille. Mais elle avait raison. Ouais, mais au début, tu savais pas que c'était sa fille, donc... Je n'étais pas là pour m'amuser. Oh. Il est pas drôle. Hein. Passer l'air de chargement des torpilles. Passer. Ah, faut qu'on passe devant ça. Aïe. Après, je me demande, quand il essaye d'allonger les jambes alors qu'il est sous un mur, est-ce qu'il se fait vraiment mal à la tête? Parce que quand même, ça peut cogner quand ça se déploie. Hein. Je suis où? Ah. Aïe. Y'a pas de bruit. Ils sont où? N'est pas le Wilkins que vous cherchez. Je les vois pas. Ils sont où? C'est des bius. Ah, ils sont là. Et là, c'est des blus. C'est bon, ils sont plus là. Faut tout faire péter et ramener tout le monde. Une méthode comme une autre. Ah, on peut encore inspecter les trucs. Note de l'officier Noël. Désolé d'avoir dû annuler notre partie de carte. Le général me fait courir dans tous les sens avec ses demandes ridicules. Ça, si le général l'apprenait, il serait fusillé. Moi, j'ai peut-être dû le tuer, mais voilà. Mais il serait fusillé, quand même. La nuit dernière, il m'a réveillé au milieu de la nuit car il voulait chasser. Je l'ai emmené dans la nature et une heure plus tard, il est devenu fou furieux quand je lui ai montré des animaux. Il voulait chasser les Untermenschen et pensait qu'on en avait sous la main. Il y a à peine une semaine, il a exigé qu'on tue tout ce présent à la région. Maintenant, ça. Je sais pas ce que c'est, les hommes. C'est pas les terroristes. Ben, nous, quoi. Tu sais qu'on dit que ces réceptions sont incroyables, mais ça n'a aucun sens. J'ai hâte d'être à la fin du mois. Nous aurons notre propre fête une fois que le général sera parti. Si je ne tue pas d'épuisement avant. Ouais. C'est rare, ça. Ok, j'en ai vu un arriver. Il est passé où?
Ah, il est là. C'est quand même bien les phares, hein. Bon, là je l'ai pas eu, mais c'était bien les phares quand même. Allez, on descend. Alors, ils sont où ces cons? Il y en a un qui doit être pas loin. Salut! Ah, salut toi! Couchez le chien! Couchez le chien! Couchez le chien! Couchez le chien! J'ai dit ok. Aïe. Ah bah voilà. En voilà une. Enfin. Bon alors et bon, ça j'ai déjà lu. Il y a les deux à tuer en bas, ouais. T'es mort. T'es mort. T'es pas mort. Bon, je voulais faire discretos, mais c'est pas grave, on va y aller à la bourrin encore. Ouais, ça devait pas me péter à côté de la gueule quand même. Hein. Ça, c'est pas bon ça. Ah, tu l'as pris dans la gambette. Hein. Aïe! Comment c'est que je me suis cassé la gueule? Et pas de piège à loup quand même! T'es mort ou t'es mort? T'es mort! Voilà, toi t'es mort aussi! Aïe. T'as tout fait péter. T'as vu, hein. Ah, toi je t'avais pas eu par contre. Pas non plus. Mais toi c'est parce que t'étais caché derrière ton collègue. Ah bravo. Ah, parfait. Plein de santé. Ouais, je sais pas ce qui t'est arrivé, mais t'as cramé. Je sais pas si c'est l'explosion. En tout cas, t'as une sale gueule. Peut-être que tu l'avais déjà avant, hein, cela dit. On a fouillé tout là, non. Surtout des munitions de ce flingue que j'aimerais bien avoir. Bon, c'est vrai que celui-là, j'utilise quand même assez souvent.
Corps des mines, ouais, Shockhammer, ça on utilise aussi. Ok, faut que j'aille vers où? Bah, vers là-bas. C'est par là. Ah oui, je crois que j'avais vu la trappe. Qu'est-ce que je viens de dire sur les combats? Hey, j'ai pas eu le choix. It's a trap. Sérieusement? Non. Qu'est-ce que je viens de dire sur les combats? Bah, qu'il fallait tuer tout le monde, non? C'est pas ça? D'ici, vous pouvez accéder directement au baraquement. Essayez de ne pas faire trop de bruit, capitaine. Ok, Ginny. Tu peux m'appeler papa? Je vais y réfléchir. D'accord. Creepy. Alors... Aïe, bon pour la tête. Encore bon pour la tête, peut-être là, alors. Non. C'est pas faux, hein, c'est vrai. C'est vrai. Il avait rien grillé. Putain, mais je me mets où, moi, en hauteur, là? Là? Ah, voilà. Bah non, c'est pas là. Comment je fais pour passer, moi, dessous, après? Là, je passe mieux. Donc, un peu de temps bien. Ouais, alors là... Non, tu m'as pas vu. Je suis pas là. Je suis la nuit. Je suis plus la nuit, je suis plus la nuit. Bonjour, capitaine. Bonjour. Salut Schwartz. D'accord. Ouais, il faisait une partie de solitaire, je crois. Courrier du général Schwartz, le demeuré commandant Schtroumpf. Pensez-vous peut-être que j'avais la langue engourdie, comme on a été bouché, que mes yeux ne pouvaient pas voir cette démonstration désastreuse? Ouais, vous pu penser que cette tambouille pouvait servir d'entrée lors de mon banquet de célébration? J'exige les plats de la plus haute qualité. Vous corrigerez cette erreur, commandante. Vous quitterez ma réception par les tubes à torpilles. Ah ouais, quand même. Ah oui. Ah oui. Il déconne pas avec la réception, lui. Hein. Tiens. Ah, tu en as pris encore plus. Si tu voulais des enfants, bah désolé, t'en auras pas. Ah, quoi? Toi non plus, t'en auras pas. Et en plus, je suis papa. Voilà. Toi t'en auras pas, mais c'est parce que t'as plus de tête. C'est totalement différent. C'est con, hein, il est passé au mauvais moment, lui. Je voulais l'attirer en faisant péter un truc, bah il s'est attiré tout seul. Et non, on a rien. Y a pas une seule grenade dans le coin. C'est la dèche. Alors, inspectez ça. Note de l'officier, watch. Wash.
H, ne l'ébruitez pas, mais j'ai des informations concernant la réception du général et nos activités. Apparemment, nous possédons un gigantesque dispositif dans l'espace. Et accrochez-vous. Il peut lancer des attaques n'importe où sur la planète. Et je ne parle pas simplement d'attaque, mais d'annihilation. Comme une bombe atomique que l'on pourrait larguer sans sommation pour rayer une cible de la carte. Ouais, mais une cible de quelle taille? Parce que une bombe atomique, quand même, ça fait de sacrés dégâts. Du coup, si c'est un gros truc, ça marche pas pour les frappes chirurgicales, par exemple. Soyez discret à ce propos, si cette chose est aussi incroyable qu'on le dit. Je comprends pourquoi le général veut la garder secrète jusqu'à sa grande réception. Vous savez à quel point il peut devenir furieux pour des amuse-gueules. Imaginez un peu ce qu'il ferait s'il découvrait, et on discute de tout cela dans son dos. Mais ouais, je vais le prévenir là, je vais lui dire. Pas bien de parler dans le dos. J'avais renoncé à une vie normale. Je pensais mourir au combat. Peut-être que je recherchais une forme de suicide administré par nazi. Mais avec Ginny... suicide administré par nazi. C'est nouveau ça. C'est... de vivre. Alors, on peut monter, j'imagine. Sauf quand il y a un mur. C'était tout près. Mon long voyage collectif touchait à sa fin. J'allais enfin neutraliser ce Sungenwerver canon soleil. Ouais, ce truc là. Là, je suis comme Wilkins, quoi. Le truc. Ok, et je peux monter où, moi? Là-haut? Non. Ah, là. Et puis là. Et re-là. Et j'imagine qu'on va par là. Das wahrscheinlich wichtigste Ereignis in der Geschichte des Deutschen Reiches statt. Sie wurden persönlich ausgewählt, um Zeugen des Starts der größten jemals von Menschen gebauten. Du coup, je suis en hauteur, c'est cool. Heute starten wir das Sonnengewehr. Ouais. Boom. Ouais. Nach Jahrzehnten ah oui, c'est une belle réception. Hein. Werden wir mit dem von unseren Wissenschaftlern entwickelten Sonnengewehr von jedem Ort der Erde aus Terroristen eliminieren können. C'est quand même vraiment moche, hein, l'allemand. Profitez bien de ce repas, messieurs. Le dernier. C'est le dernier. La fête est finie, Schwartz. Facilite-nous la tâche et descends de là que je puisse t'arracher la tête. Vous êtes un cafard, Wiggins. Une ruine d'une époque révolue. Et vous je suis un cafard. De notre succès. Oui. Je suis d'accord. Vous savez, les cafards, ça prend les conduits. Et oui. Aïe. Ouais, c'est qui tire? Toi? Une série AB. Cool, je t'ai vu toi. Allez, tourne-toi. Ouais, du con. Ouais, tu m'auras pas. Même ta super vitesse là, vu où je suis. Ah, mis à part si tu te déplaces. Son boost là, son truc. Ah, t'étais là. C'est donc toi. Aïe! Aïe! J'avais pas vu l'autre. Bon, quand même, deux fois là, ce soir, c'est pas beaucoup. Ah, il reste encore 30 minutes de live, hein, faut pas non plus que je saute de joie. Boum. Um Zeugen des Starts der größten jemals von Menschen gebauten Waffe zu werden. Heute starten wir das Sonnengewehr. Oui, il peut se passer plein de trucs en 30 minutes, je suis tout à fait d'accord. Der
Wissenschaftlern entwickelten Sonnengewehr dit plein de trucs, dit plein de morts aussi. Profitez bien de ce repas, messieurs. Le dernier. Il est poli quand même, il dit monsieur. J'aurais dit, profitez bien de ce repas, du con. La fête est finie, Schwartz. Facilitez la tâche et descendez là que je puisse t'arracher. On finit la fête. C'est la fête. Ah bah je suis pas en travers, je suis en l'air. Quoique des fois je suis un peu en travers. Ah il y a des balles. Tu me bloques la vue, bah quoi, tu me bloques la vue. Moi quand ça pète hein. Et où le gros? Il me reste un gros là. Je l'entends tirer le gros. Désolé pour le genou. Désolé pour l'autre genou. Mais t'es où gros? Encore des six l'autre. Hein. J'ai l'impression de l'entendre bouger, mais. Je les vois pas. Il faut que je descende parce qu'il me faudrait de la bouffe. Ben non, je vous vois pas. Est-ce que tu le vois? Non, je vois pas. Vous êtes où les gars? Ah oui, aïe, oui, aïe. C'est qui tire? Non mais je les vois pas, ils sont où? J'ai pas beaucoup de vie en plus. Hein. Ouais, les cuisines là. Bon, allez, on descend. Hein. Allez, descend. Ah, bah quoi? C'est quoi ce bordel là? Il y avait personne. Heute findet das wahrscheinlich wichtigste Ereignis in der Geschichte des Deutschen Reiches statt. Sie wurden persönlich ausgewählt, um Zeugen des Starts der größten jemals von Menschen gebauten Waffe zu werden. Heute starten wir das Sonnengewehr. Das ist fair. Nach Jahrzehnten der Forschung werden wir mit dem von unseren Wissenschaftlern entwickelten Sonnengewehr von jedem Ort der Erde aus Terroristen eliminieren können. C'est bon. Profitez bien de ce repas, messieurs. Ils m'ont pas eu, ils m'ont pas eu. Ah. Voilà, toi tu m'as vu. Tu me vois plus. On voit un peu, on voit plus. Ah, lui il a disparu. Vous êtes un cafard, Wiggins. Une relique d'une époque révolue. Et vous ne vous mettrez pas en travers de notre succès. Lui, le genou, c'est plus compliqué quand même pour l'avoir. Hein. Hey, il gambade comme un lapin. On a d'où ça? Je peux aller vers là-bas. Je peux. Surtout, où est-ce qu'ils sont? Ah là. Ah, la grenade elle a explosé. A pu la grenade.
Change de poste, change de poste. Moi aussi, des fois, je fais un changement de poste. Moi, je travaille du matin, des fois l'après-midi. Voilà, je change de poste, quoi. Ah, boum, boum, boum. Il fait boum, boum. Toi, et t'es mort. Toi, t'es mort. T'es mort, ok. Il y a encore un comité d'accueil ou ça va mieux? J'ai l'impression que la musique se calme ou quoi? Bon, la musique s'est calmée, mais il y avait encore un comité. Quoi, où c'est que ça tire? Ah putain, c'est derrière. Il est où? Barré de là. Encore des robots là, ils font chier les robots. Après, c'est marrante la fille, mais. Hein. Pas faire de bruit, pas faire de bruit. Ouh, j'ai plus mine. Bon, bah. Voilà. Voilà, il l'a dit, il a raison. Tant tu es ce salopard. Allez, laisse-moi récupérer un peu de tout. Ah bah il est très bon, ton lui fait, merci. Ah c'est vachement sympa. Ah je suis plein. Ah j'ai un peu de mal à marcher, je suis trop bouffé. Pas vers où faut que j'aille, vers là-bas. Ok, bah tu sais quoi, laisse-moi looter tout ce que je veux looter. Voilà, les grenades. Et c'est ça que je veux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine? De la bouffe? Non. Dans la réserve, il n'y a pas... petite munition là planquée, non? Dommage. Hein, c'est ce qu'on appelle un tir de sommation. Sommation que j'arrive. Ah, lire. Ah, recouvrir du général Schwartz, l'imbécile. Ah, mais si, commandant, d'accord, ok. Super, général. J'ai lu le 7e manuscrit de mon discours. Il est toujours dans une atrocité sans fin. Écrivez-vous pour les pignoufs incompétents dont vous êtes le chef, ou pour l'élite même de la race allemande? T'as qu'à le faire tout seul, ton discours, du con. C'est vrai, ça? Pour commencer, vous agissez comme si le sonneux de machin truc était une victoire du peuple allemand, alors que c'est avant tout ma victoire. Alors ça, si Führer t'entend, normalement, tu es fusillé aussi. Enfin, il y avait une certaine hiérarchie à respecter, je crois, à peu près. D'autres, il était cinglé, mais voilà. C'est à moi que vous devriez, que vous deviez dédier sa création et son développement. Oubliez les intérêts de Francfort. Et quand vous parlez de l'élimination de BD machin, n'oubliez pas de souligner que c'est moi qui l'ai capturé et tué après qu'il fût venu à bout de notre grand espion, le hibou. Ne couvrez pas le hibou de laurier pour cette capture. Il ne vaut rien comparé à moi. Au lieu de m'envoyer ces manuscrits, écrivez-moi les versions 8 à 15 et faites-les corriger par vos hommes. Le prochain discours que vous me soumettrez ferait bien d'être de la plus haute qualité. Vous êtes un homme fini. Ouais, bah t'as qu'à le faire toi-même. Voilà, on va être content de quelque chose, on le fait soi-même. Ah. J'arrive.
Je viens sur le pont. Éloigne-toi de cette console. Fini, R. Wilkins. Vous ne savez donc pas qui je suis. Mon grand œuvre va s'accomplir. Ouais, une balle dans la tête. Tuez-moi et j'activerai ce levier, déchaînant le canon soleil. Jetez vos armes si vous ne voulez pas que votre précieuse fille soit sa première victime. Merde, vous avez gagné, Schwartz. Si on fait, on va le taper à coup de poing. Vieil imbécile. Rien n'arrêtera le zonon de verre. Non. Oh, soleil, c'est ça. Il fait un Pokémon pour ça. C'est Florizarre qui fait l'ensoleil. Dans le dessin animé. D'accord. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Papa, c'est moi. Il m'a fallu du temps, mais j'ai neutralisé les antennes satellites des environs. Ah, cool. Je pense pas qu'il puisse. Elle l'appelait papa. L'espace d'ici. Tu veux dire qu'il peut pas faire fonctionner le canon soleil et que je peux le réduire en charpie? Ouais. Affirmatif. Fais-le souffrir. D'accord. On commence par quoi? Bonjour. Oh, tu te rends. Capitaine, c'est un gigantesque malentendu. Bien sûr. Voilà, je t'ai pas entendu. C'était pas ça le malentendu? Boum. Volet sous-marin, quitter le niveau, ok. Moi, je fais juste du looting à côté et voilà. Sûr, il y aura rien. On dirait un tapis. Ah non, c'est le périscope. On aurait dit un vieux tapis de course. Non, c'est le périscope. Allez, si vous voulez, sous-marin. T'as réussi. Bon retour. Ouais. Mission accomplie. Tu ne t'es pas trop mal débrouillé non plus. On a été super. Tu sais, papa, je trouve qu'on fait plutôt une bonne équipe. Tu serais prêt pour un dernier combat? C'est vrai qu'on a fait du bon boulot. Et de toute façon, je suis pas prêt pour la quille. Le canon soleil est toujours là. On a encore du pain sur la planche. Et voilà, fini les chroniques du Capitaine Wilkins. Arrêtez le canon soleil. Bon, on a fini toutes les chroniques. Et avant la fin du live. C'est bien. Merci. Bon, c'était pas compliqué, en plus on était en amené vous quand même. Mais il y a des fois où on mourait souvent. Là, ce soir, ça a été à peu près. Trois fois seulement, c'est pas énorme. Je trouve. Vous avez dominé avec le une fois, ok. Et ça, vous avez effectué des tirs de suppression une fois. Tirs de suppression de quoi? C'est une petite moyenne trois fois. Ouais, c'est vrai que souvent on était vers les 7 hein, sur les lives précédents sur Freedom Chronicle. Après bon, étant amené vous, j'avais pas remonté la difficulté. Sacramento, Hollywood et la Luna, oui. Et lui c'est Station Mega, le cauchemar et Vénus. En fait. C'est très bien, ouais. Parfait. Bah du coup, au prochain live de Wolfenstein, on commencera, Youngblood, pas Cyberpilot. Cyberpilot, c'est le VR. Je sais, j'étais plus sûr du coup de l'un ou l'autre. Donc voilà. On va s'arrêter là. Hein. On va arrêter le live un peu plus tôt. Bah, pour 10 minutes, je vais pas lancer un autre jeu. Ni Youngblood, d'ailleurs. En plus, je l'ai pas préparé. Donc, ouais, le DLC, bah, sympa. Après, bon, le truc, c'est qu'au final, c'est les mécaniques. Les histoires sont sympas, les trois histoires. Après, c'est vrai que les mécaniques de Joe, de Silent Death et de Wilkins, c'est les trois mécaniques qu'on avait avec Blasco. C'est-à-dire les jambes, le plastron et le harnais. On avait les trois avec Blasco. Mais sinon, ouais, c'était sympa. C'était sympa. Puis, je sais pas combien de temps on a mis. On a fait 5 épisodes, donc 10 heures quand même. Hein. Bien. Bien, après je sais pas combien coûtait le DLC, parce que moi je l'avais eu avec avec le Season Pass. C'est un truc. Mais ouais, c'est sympa.
Enfin. Ah, voilà. Bon, ben en tout cas, voilà. Pour vous qui avez regardé la rediff sur YouTube, j'espère que ça vous a plu. J'espère que la série sur Wolfenstein 2, The New Colossus et sur le DLC vous ont plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Des bisous à tous.